Je veux aller. Gaspard des Montagnes, une saga auvergnate adaptée par Claude Santelli sur la Une. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Tout ça, c'est jamais que des mots, hein. Ce qu'elle a vu, elle ne le croit pas, et ce qu'elle n'a pas vu, elle le croit. Mais qui nous a vu boucher la source? Ah! Qui nous a vu boucher cette source? Ma comunque anche perché è necessario, quando uno fa così, è necessario di ammazzare il vernice del nuovo. Sì, infatti vanno ribagnati tutti. Bagnati il sole, poi il sole e acqua e sole. Change il pantalone avec une chemise, tant qu'il faccia. Bien patiné, bien abîmé et tout ça. Vous pouvez le détail, est-ce que vous pouvez le mesure, voilà. Fais bien, fais bien. Ce qui est important, ce sont les mesures pour l'instant. C'est quoi ça? Ah, c'est le marron. Marron, comme. Voilà, ça, voilà. È sempre tanto bello questo toscano. Antonio, voilà. Les chapeaux, je trouve ça vraiment très abîmé. Hein. Très. La transpiration là. Hein. Ah, ça, c'est bien ça. Voilà, vous levez la semelle. Oui, c'est bien, mais c'est bien. Ils ne me font pas mal. Benissimo. Non è da smettere. Si può togliere la cosa, sì. Mais on laisse long comme ça, hein? Non, la mec est courte? Si, perché più corta è. J'étais très excité comme je lisais l'histoire, mais je ne pensais absolument pas de faire le rôle de César Soubéran, qu'on appelle le papé dans le film. Pour de multiples raisons. La première, parce que par une sorte d'orgueil, vanité mal placée, c'est-à-dire que j'avais pas envie de me vieillir de plus de 10 ans, 15 ans, même 15. Et puis j'ai fait des essais avec Coluche, qui devait faire Hugolin, c'est-à-dire Galinette dans le film, où il était d'ailleurs remarquable, je veux dire. Les essais, ils étaient prodigieux. Et alors, il a voulu faire les essais, mais si je lui donnais la réplique, il voulait se sentir en confiance. Alors il est venu à la maison, chez nous, à la campagne, à Auteuil, et je lui ai la réplique. Mais le metteur en scène, il m'a un peu piégé, Claude Berry, que je connaissais depuis longtemps, parce qu'il a amené, je m'étais habillé avec un velours noir, une chemise blanche, pour essayer, pour être un peu dans le coup, comme on dit, pour Coluche. Mais lui, il avait apporté également une moustache et un chapeau noir. Alors évidemment, je me suis dit, ça va, je vous vois venir avec vos gros sabots, puis on va bien voir. Mais il était bien défini une bonne fois pour toutes que je ne ferais pas le film. Si je veux bien, donne-moi le chapeau et la moustache, mais je ne ferais pas le film. Hein. Et puis en voyant les essais, j'ai trouvé que ce visage de César Soubéran, du papé, était quelque chose au contraire, qui me, si vous voulez, qui me soulageait sur un certain plan, parce que nous savons bien tous, hommes et femmes, que nous faisons tout pour retarder plus ou moins le vieillissement. Oui, non, derrière, ça va. Ah, c'est le tour d'oreille. C'est le tour d'oreille. C'est le tour d'oreille. Et les pattes qui sont trop longues. Quand ils sont dimanche, il va se peigner. Ceux qui sera, il se peignera avec les cheveux, il les ramènera bien proprement comme ça avec de l'eau.
vois ce que je veux dire. Mais le restant, quand il est chez lui, c'est comme ça. Hein? C'est les Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ça va, je me change alors. Je fais des costumes en l'or. Faisons des costumes en rapport avec le maquillage. Oui, oui. Il est beau aussi celui-là. Hein? Je vais le voir avec ça. Je vais rester comme ça, pareil. Tu vois, je vais rentrer dans le champ comme ça. Qu'est-ce que c'est bien, hein? Et t'as vu avec le gilet, parce que je le vois avec sans la veste. Hein? C'est plus la première partie. Mais tu vois, là, il est plus jeune, ça, comme ça. Il tend des scènes tragiques, le truc noir. On fait un effet au mariage de Manon. On croit qu'il va au mariage, mais il a mis le Panama, les fleurs, et il va au cimetière. Il pourrait aller au cimetière, même Panama. Ça fait penser, c'est marrant, au pantalon de Serge Layani dans le casque. C'est très curieux. Hein. Il était bien, Serge, dans le casque. Il était beau. Hein. Simone, n'en parlons pas, mais lui, il était... C'est pas les chaussures, hein. Vous avez dit que votre visage, votre image, vous rappelait celle de votre grand-père, je crois. Non, celle de mon père. Celle de mon père et des photos de mon grand-père qui étaient des paysans de Toscane. Et je trouve qu'entre les paysans de Toscane, du Piémont, des Basses-Alpes ou de Provence, il n'y a pas de kilomètres. Je veux dire qu'ils ont cette même force, ce même humour dans l'œil, cette sagesse un petit peu. Ça ne veut pas dire que ce soit des saints. Mais je veux dire par là que c'est des gens d'être près de la terre, d'un bout de leur vie à l'autre. Certains ont appris certaines choses que d'autres n'apprendront jamais. Mais surtout, ce qui était beau, c'est que tout d'un coup, quand je me suis habillé de l'intérieur et de l'extérieur c'est assez facile, je me suis senti vraiment à l'aise. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis retrouvé dans quelque chose de mes ancêtres. Je me suis senti bien. Les amis, les amants, les voisins, les trois victimes, enfin tout le monde. Mais ça fait un monde fou. Et alors? Now, Miss Gamble, I wanted to try, if you can, to imagine that you see... What? Mais laissez-moi! Alors je vous dis, monsieur Becchino, le temps que vous ayez la communication, moi j'ai 10 000 marques sur la table. Tête de Becchino. Pas mal, hein? Pas mal. Oh, les jolis bas. Ce rôle du papé dans Jean de Florette, c'est une espèce d'apothéose. C'est l'impression que vous avez en voyant votre carrière au cinéma? Je crois pas qu'on puisse employer le mot d'apothéose ou de bilan. Mais l'impression que j'ai, pour revenir à la question, c'est que j'aurais envie de tout recommencer, quoi. En fait, c'est le sentiment que l'on a lorsqu'on se revoit dans des films, parce qu'un film, ça vieillit très vite. Le dialogue vieillit très vite, les mots argotiques vieillissent très vite, l'habillement, la façon de voir les choses, de penser, de bouger même. Je vais lâcher un super à sa place. Parce que moi, la reine, je l'aime. Moi, un valet, j'ose. T'as tes pieds, ma tante. Hey, hey. Hey, hey. En avançant dans l'âge, comme on dit, c'est-à-dire en devenant plus vieux, on prend un peu plus de choux. On voit les choses un peu plus d'une autre manière. Il y a beaucoup de...
d'élan d'orgueil, voire de vanité, comme je disais au début de l'émission, qui s'estompe. Parce que je dis, bon, tout ça est assez en soi dérisoire. Cette vie est très très courte, elle n'a pas de sens. Apparemment, en tout cas, on essaye de lui en donner un de sens, comme on peut. Et puis il y a eu une phrase de mon ami Perry qui était très jolie. Il disait, bien sûr, tout ça n'a pas une grande importance. Ce qui a une importance, c'est le geste. Ça vaut un milliard. Moi, je préfère ça, hein. Ferme la coude. Voilà, voilà, voilà. Mais tu fatigues quand même pas trop, c'est pas la... Ouais. Ça va, ça ira. Je peux donc être là, hein, pour le, quand je parle. Pardon ? Quand je parle, il peut être là, ça suffit, là. Hein. Voilà, mais au lieu de le faire, oui, de le faire là, je le fais là, ça joue pas. Pour ouais. Le, je veux dire un pour le cadrage, si... Non, mais ça joue pas, ça. Non. Ça, attends, ça joue pas. Il enlève son truc, pas. Oui. Descends que je suis pressé. Pourriture, ordure, descends, assassin. Voilà. Tu vois où il est tombé ? Tu vois ? Si tu refais la même chose, c'est bon. Mais obligatoire, c'est bon, ça marche. Ça marche, on le refait, c'est impeccable. Tu nous diras, Yves. Oui, je te dirai. T'as pris des notifications. Moins un tiers. Quoi ? C'est pareil. On peut, Yves ? Oui. Attention, le silence. Moteur. Ça tourne. Annonce. 62 sur 9 deuxième. Tu penses à ton visage à gauche, Marcel, hein ? Vas-y, Yves, la pêche ! Allez, joue, descends. Descends vite que je suis pressé. Descends, j'ai eu trop dur. J'arrive, je te Mais dis ça aussi, je te tais! Je vais te faire pas, va, je te sers pas! Je vais te faire mal! Coupez, merci! Très bien, maintenant tu vas te sentir à l'aise. Je le refais qu'une fois, c'est tout. Hein. D'accord! C'est un personnage qui est dans sa logique paysanne. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas du tout l'idée au départ de faire un meurtre ou d'être méchant avec qui que ce soit. C'est un homme dur. Dur comme sont ces gens, ça se passe dans les années 30. Cette génération, tout de suite après la guerre de 14, avant la guerre de 14, les gens sont durs. On travaille très dur, on travaille 12, 14, 16 heures par jour. D'abord, la base même du personnage est un monsieur qui a de l'autorité. C'est de l'autorité, pas uniquement parce qu'il a de l'argent. Ça aide beaucoup. Mais c'est pas à cause de ça. Cet argent, c'est quelque chose qu'il n'a pas volé, qu'ils ont fait d'eux-mêmes, de famille en famille, qu'ils sont passés de génération en génération. Et puis, c'est ça qui lui donne cette forme d'autorité. On rencontre encore ça dans les Basses-Alpes et en Provence, ou en Sicile, ou en Corse, par exemple. Il vient à un mètre avant qu'il soit dans sa fleur, je lui dis, c'est à ça que tu t'amuses, et il se baisse pour aller couper ah ses bon, trucs. Ah bon, alors tu te baisseras hein? Après sa phrase. Comment ça? T'as une phrase au bout, Daniel, et la deuxième avant de t'agenouiller. Voilà. Tu sais que tu viens de bouger jusque-là. Voilà. Une fois que je dis c'est à ça que tu t'amuses, c'est avec ça que tu t'amuses, tu peux faire ce voilà. Que tu veux. Tu descends, tu chantes. Ça, ça l'écrase. C'est un beau plan, mais ça l'écrase. Je crois que ça vaut le coup de le faire. Oui, mais bon... C'est écrasé. Celui-là est superbe. La chute du mec est amortie du fait que tu vois là-haut. Alors ça va faire tuc. Quand on vous voit sur le plateau, il est évident que l'autorité du papé, elle est nourrie de l'autorité que vous avez acquise, vous, Yves Montand. Probablement, je crois que c'est une forme d'autorité, même si on est quand même vulnérable comme tout le monde, je pense que c'est une forme d'autorité que vous avez filé par acquérir à travers les vicissitudes de la vie, comme on dit, les coups durs et les succès aussi. Et là ? Et les succès. Oui, les succès et les insuccès, et je veux dire les échecs. Une vie n'est pas faite que de succès, malgré
qu'en apparence, pour les gens, c'est une ligne droite, continue, pas du tout. Vous tombez plusieurs fois et vous recevez même des coups sur la tête extrêmement douloureux, souvent immérités, mais parce qu'on a envie de vous les donner. Je ne parle pas des critiques qui vous jugent dans un film, dans une pièce ou pour un one-man show, c'est autre chose, ça, cela, c'est autre chose. Bon, nous connaissons bien comment ça fonctionne et comment ça ne fonctionne pas. Je parle d'autre chose. Alors parfois c'est... je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien parce qu'on peut dire à quelqu'un, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous, et expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec vous, et essayez-vous d'expliquer pourquoi vous êtes sur cette position-là. Et alors, de là peut sortir une petite lumière. Coupé, merci. Quand je suis rentré, regarde ce que fait mon temps. Non, remets ton fusil à l'épaule, Yves. Mais oui, non, mais je... Bruno, tu le regardes pas. Oui, regarde. Si je le regarde. Je rentre. Je suis rentré. Ah, tu es rentré, là. Bon, une fois qu'il est rentré. Puis que vous fiez, il a tué un mec, hein. Bon. Déjà, tout à l'heure, la veille, deux jours avant, sur l'arbre, s'il peut, avec les sécateurs, me couper ce que je pense, il me les coupe sans aucune crainte. Il me tue, en tout cas. Bon. Ils dorment tous les deux avec leur... Il rentre. Je ne sais pas ce qu'il va me chercher, moi. Donc, je fais rien. Je fais rien, reste comme ça. Bon. Si on veut, on pourra se permettre de faire un plan où on verra simplement ça. C'est tout. Qu'est-ce que tu risques? Tu ne le mets pas au montage, si tu veux. C'est une inserte. Mais on ne sait jamais, c'est le côté western de la chose. On le fait. On le placera comme on veut. Au montage, tu fais ce que tu veux. Au montage, on le placera comme on veut. Blablabla, tac, un petit coup sur le... Voilà, et l'autre il sort. Et on revient. Tu reviens, tu reviens. Et l'autre sort, au moment où il sort. Et on fait un raccordant. Allez, directement. Allons-y. Pique vous figue. Oh, massacre, ça a... Ah, merci, merci beaucoup. Allez, allez, venez, on va trinquer. Hein? Il est dangereux, il joue le fada, mais il est peut-être moins que nous. Méfiance. Coupé, merci, elle est très bien, on la tire. Si vous voulez, on va mettre de l'autre tabac. Je vais le chercher, le tabac. Hein? Oui, parce que je vois, il est trop sec. Moi qui fume plus depuis 4 ans. Ce qui m'ennuie, c'est qu'il va falloir que je donne... l'impression qu'il prend du goût à fumer. Quand le papy a pris sa cigarette, tu comprends, il allume et... Il doit donner... Ah, quel coche. L'impression que c'est un délice. C'est ça qui m'embête parce que je risque de repartir comme avant. Quand vous parlez du papé, vous parlez toujours à la troisième personne, comme si c'était extérieur à vous. Mais naturellement, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je prête mon enveloppe et mon intérieur, si je puis dire, à ce personnage-là. Alors c'est vrai que des fois des personnages qui vous obligent à faire une grande gymnastique pour y arriver, mais celui-là, il n'y a qu'à se laisser glisser, simplement qu'à être un peu plus mûr pour le personnage. C'est la même chose lorsque je suis sur scène, je veux dire, j'ai toujours eu l'impression que le personnage qui était sur scène, c'était pas moi. C'est quelqu'un d'autre. C'est assez bizarre, je ne veux pas rentrer dans ces détails métaphysiques parce que c'est trop... C'est très 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 bizarre, hein. Très très curieux. Ce qui est pu arriver sur la scène, c'est assez curieux, ça. Et les gens qui font du spectacle, c'est très bien ce que je veux leur dire. Mais j'ai toujours l'impression, c'est pour ça que quand je dis, ah ben non, et alors il rentre à gauche, tu envoies le spot là, tu vois, tu éclaires le milieu de la scène, et tu le reprends quand ils sont de l'autre côté. Mais c'est pas pour dire, alors, tu me prends moi quand je viens là, je suis gêné de dire, tu me prends moi pour me jeter de l'autre côté. Pas du tout une question de troisième personne pour parler à troisième personne. C'est instinctif, ça a toujours été l'autre, ça n'a jamais été moi. Parce que finalement, je m'aperçois que j'étais pas du tout fait pour faire ça. C'est d'une trop, trop grande souffrance. En tout cas, je parle de la scène. Mais d'une trop, trop grande souffrance. Vous savez, quand j'ai fait l'Olympia en 81, je pouvais dire aujourd'hui, et mes amis intimes, ils le savent très bien, je me suis souhaité de me casser la jambe en allant dans la loge pendant les trois premières semaines parce que j'avais... Mais j'ai pété de peur, la vraie peur.
Et le soir de la générale, ça a été vraiment quelque chose. Je suis resté vissé presque, si j'étais aimanté. Mais je n'arrivais pas à, comment dirais-je, à... C'est après l'effort colossal que je suis arrivé à supporter cette panique. Et c'est d'autant plus difficile que normalement, vous devez rentrer en scène avec une... en tout cas, c'est ce quoi j'ai basé le personnage. C'est venu petit à petit, c'est pas au départ que je vais faire ça. À l'entrée, on donnait cette impression, au contraire, ah, on est bien, comment allez-vous? Ce qui est parfaitement vrai et sincère à chaque fois. Même s'il a peur, oui, tiens, je veux dire, même s'il a peur, oui, c'est curieux, hein. Même si j'ai peur, je rentre sur scène et j'ai un plaisir immense à me dire, bon, j'ai eu peur juste avant, pendant une heure, deux heures avant, ah, ben ça va aller comme ça. Mais à la minute où la lumière baisse et où je tacle le premier couplet de quelque chose, la panique, là, je prends. Parce que d'un coup, tu commences à réaliser que tu es devant 2000 personnes et qu'ils reposent sur tes épaules. Et vous avez la prétention de dire, vous allez voir, on va passer la soirée ensemble. C'est beaucoup, c'est ça le trac, en fait. C'est pas autre chose. Et une scène, c'est la même chose. Peu à peu, quand il y a un vrai mariage entre les techniciens, le metteur en scène, l'assistant et tout le monde qui est là, on arrive à les oublier pour donner le sentiment le plus qui vous semble le plus vrai, sinon le plus vrai, du moins le plus près de ce qui vous est demandé, en tout cas du personnage. Linette, depuis quelque temps, il me semble que tu as une mauvaise mine. Que tu perds ta mine, ta bonne mine, tu perds ta bonne mine. Il me semble depuis quelque temps que tu perds ta bonne mine. C'est silence, le route. Moteur. 537 sur 35. Partez. Tu manges pas? Tout à fait. Gagnonette, depuis quelque temps, il me semble que tu perds ta bonne mine. Eh, j'ai plus guère d'appétit. Ça doit être à cause de ce poison. Quel poison? Celui qu'il faut que je pulvérise sur les œillets pour les sauver de la reine rouge. Je vais le faire moi si tu veux. Non, il faut le faire que la nuit. C'est un remède qui tient la lumière du jour. La lumière, c'est ce qui agace. Ça lui tue toute sa méchanceté. Oui, mais tu travailles la nuit, mais tu dors pas le jour. Ça fait plusieurs fois que je monte chez toi dans la journée. Tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais? Je chasse. Hein. Je me promène dans les collines pour tirer le bon air. Je nettoie mes poumons. Le produit, ça mérite. Hein. Ça, c'est vrai. Il est bon pour les œillets, mais pas pour toi. Alors, il faut que tu manges et que tu dormes. Coupé. À la limite, on dit moteur, moi je sais plus tout où je vais, je sais plus ce que je fais. En gros, je veux dire, c'est très bien que j'ai quelque chose à faire, mais ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de sauver le sentiment interne, la fraîcheur, l'instinct, comme on dit, que la rigorosité, si je puis dire, qui n'est pas française. Heureusement que j'ai des bons réflexes, dis donc. Heureusement qu'on a de la chance. Tu pourrais tuer cette personne. Mais t'es complètement sous ou quoi? Écoute, je te ferai remarquer calmement. Non, ne me fais rien remarquer. Oui, ça va. Ça va. Rien. Le type s'est amené au milieu de la route. Alors je me suis dit, si je me rabats, c'est les mômes qui vont dans le décor. Alors, petit coup de barre à gauche, petit dérapage contrôlé, le talus, et hop, ici la sortie. Mais il faut être très fort pour faire ça, hein, parce qu'un peu plus, le cocoté, là, blaf! Il doit y avoir travail, mais jamais sentir le travail. Il y a, par exemple, quand vous avez une tirade qui peut faire une page, voire une page et demie, c'est ce qui est arrivé, par exemple, dans l'aveu ou dans La guerre est finie, par exemple, ou même dans César et Rosalie, quand il se surexcite et qu'il a envie de dire les choses avec rapidité. Le travail consiste donc à apprendre ce texte sans sentiment aucun, sans donner aucune fraîcheur, sans altérer en rien votre instinct, mais seulement que vous disiez B-A-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 
pour faire le plus de mal possible à votre partenaire, homme ou femme, mais lui faire mal. Si je prends ce texte, si je prends le texte d'une page et demie, je suis obligé de l'apprendre pour arriver précisément au moment de moteur, oublier mon texte complètement, pour donner le sentiment, si c'est parce qu'il est, quoi, hableur, ou parce qu'il est faussement en colère, ou parce qu'il est réellement en colère, je ne dois pas buter, il faut que je sorte comme ça. Mais nom de Dieu, tu appelles cinglé un type qui a l'air d'en savoir autant que nous? Un type qui se dit être la sixième personne du compartiment et que nous cherchons partout? Et tu trouves ça sans intérêt, toi? Non, mais tu réalises ce que tu dis, oui! Connard! Le numéro de téléphone. Il faut, lorsque vous faites un film avec un metteur en scène, devenir féminin. Même si vous faites 2 mètres de haut, etc. Féminin. Pourquoi féminin? Parce qu'à ce moment-là, je ne dis pas que les femmes, c'est comme ça avec les hommes, mais enfin, en général, c'est l'obéissance au metteur en scène. Obéissance au metteur en scène, librement consentie. C'est pourquoi ce n'est pas une... Ça ne pourrait pas être une, comment dirais-je, une attaque vis-à-vis des femmes. Je m'en garderai bien. C'est pas ça. Et vous devez obéissance au metteur en scène. Ou vous refusez le film. Mais la minute où vous l'acceptez, c'est lui le chef. C'est lui qui devient ce qu'on appellerait le macho, le mâle. Alors, et là, Anthony Quinn, il avait raison. Ou bien vous avez un metteur en scène. Vous êtes un cheval. Le comédien devient un cheval. Il a un jockey sur le dos qui est un bon jockey. Il mène ce cheval, mais claque à peine s'il le touche et il veut faire des bons, il l'amène où il veut, en faisant croire au cheval que c'est le cheval qui le fait. Alors c'est lui qui le fait naturellement. Bon. Ou vous avez alors le metteur en scène qui tire sur la bride comme ça. Non pas pour vous retenir, mais parce qu'il pense qu'il peut vous conduire comme ça. Et là, tu n'as qu'une hâte, c'est de le balancer par-dessus bord et surtout d'arriver à la fin du film parce que c'est insupportable. Quoi. Et ça, c'est les dénuances. J'aime cet endroit. Je peux t'acheter si tu veux avec tout. Le bar, la pharmacie, le petit fleuriste, toute la rue, si ça te plaît. Je fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent. Très chic. Refais ce geste. Prends un peu de beurre, là, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. Martin. Je te jure, papé, que ces flèches, elles allaient droit sur la source, droit, tout droit. Et là, ça fait 10 fois que tu me le répètes. Mais qui? Je me délecte plus à l'idée de me dire, et c'est vraiment la première fois que cela m'arrive, de me dire... Chouette, Daniel Auteuil va être formidable dans le film. Alors que généralement, bon, on est bien content que le partenaire soit bien. On dit, bon, ça va, qu'il bouffe pas. Là, pas du tout. C'est probablement d'avoir pris 10 ans, 15 ans de plus à travers le film qui vous fait... On participe, hein, mais bon, ça va. Daniel. Oh, bonne mère, elle est glacée, dis. Ne laisse pas te gagner, imbécile. Daniel, tu es tombé sur ton cul là, t'as pas eu mal, non? Toi, tu te prends là-haut. Un jour, vous avez dit qu'au musical, vous aviez obtenu tout ce que vous pouviez espérer. Est-ce que c'est la même chose au cinéma? Vous attendez encore quelque chose? Non, j'ai jamais été à la recherche de quoi que ce soit. J'ai espéré, comme beaucoup de gens qui font ce travail, cet artisanat de luxe, bien sûr, des rencontres, des rôles, etc. Et Gérard Depardieu a très bien défini ça. Il a dit, mais je ne cherche pas le rôle, je cherche des rencontres. Et il a raison. C'est comme ça qu'il faut faire, je n'aime pas le mot, mais il n'y en a pas d'autre, c'est de la carrière, c'est l'envie de faire. C'est des rencontres.
C'est pas de dire, ben, je fais tel rôle, et puis je fais tel film, et puis tel film, et puis tel film, et puis tel film, moi dans moi, moi dans moi, moi dans moi, moi dans moi. Ça va, je veux dire, ça va. C'est Florette. Bonjour, Florette. Oui. Entre Gérard Depardieu et Yves Montand, le scénario ne ménageait qu'une brève rencontre, l'espace de deux plans et sans dialogue. Les deux hommes n'ont fait que se croiser sur le tournage, mais ils se connaissent bien. Et pour Montand, Depardieu, c'est un peu plus qu'un acteur. Au point même qu'un jour, il a déclaré « Je le considère un peu comme mon fils spirituel ». Oui, j'ai dit ça parce que... parce que j'ai une grande tendresse pour lui et que... je l'ai connu à travers Vincent, François, Paul et les autres, où il est déjà remarquable. Quand vous verrez le film, vous verrez déjà, même s'il est, il est un peu en retrait à l'apparence, mais qu'est-ce qu'il est là, hein, qu'est-ce qu'il est présent, ouais. Il est très bien, non, puis c'est bien. Et puis alors bon, forcément, c'est quelqu'un d'excessif. C'est évident, vous ne pouvez pas demander à Gérard Depardieu de donner cette richesse qu'il donne en permanence et lui dire après, reste un peu monacal. Merci. On tire que celle-là. Ça tient, ça marche. Oui. Allez, au ciel, qui nous devait 6 jours de pluie en mai, ne nous en a donné que 3. Avec tout ça, j'ai de quoi me faire un joli petit atelier. Vous pouvez peut-être dire ça en partant, non? Non, je vous montre. Tout ça, j'ai quoi de faire un joli petit atelier. Et c'est beau. Allons-y. Moteur. Ça tourne. Ah non. 250 sur 4 quatrième. Passez! Je veux recevoir en pleine figure cette eau bénite que la Providence nous envoie. Bénissez cet orage, Seigneur. Bénissez cet orage. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Cet excès, vous le reconnaissez en vous aussi? Je peux l'avoir dans d'autres choses, mais disons que je suis d'une autre génération déjà. Étant d'une autre génération, on est arrivé à dominer certaines choses. Probablement à cause de la guerre, à cause de l'occupation nazie, à cause de la dureté de l'après-guerre. On oublie toujours l'après-guerre, on croit que ça a été fini après. Ça a été très difficile. Il y a eu la guerre froide, il y a eu beaucoup de choses. Et comme quand les fois les gens, certaines personnes, et non des moindres et les mieux intentionnés, mais pourquoi se mêlent-ils de cela? Eux, ils ont le droit. Pas vous, vous n'avez pas le droit, évidemment. Alors que j'ai jamais rien demandé, on m'a toujours posé des questions. Je crois que j'ai pris position sur certaines choses, ou j'ai dit certaines choses, parce que je suis cette génération-là qui a été concernée très fortement et cruellement par la réalité politique. Il fallait être vraiment être un zombie pour ne pas être concerné pour ce que, par ce qui se passait chez nous en France avec l'occupant. Alors, même si tu ne voulais pas, tu étais obligé, pour ou contre, mais tu étais obligé de te faire un peu quand même une idée des choses et des gens. Est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle pouvait se passer? J'avais figuré également en 1933 avec Rému dans la scène Marius. Des comédiens, il y en a dans le milieu de la France, c'est inné.
Grande Florette, c'est la Provence des années 20 et 30, tout un monde que Claude Berry a tenu à reconstituer minutieusement par souci d'authenticité. Faire un film authentique, c'était important aussi pour Yves Montand. Dans cette aventure, en effet, il retrouvait, outre son accent de jeunesse, quelques souvenirs personnels. On a un peu l'impression d'un retour aux sources, est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. C'est vraiment ça, d'autant plus que l'affection que l'admiration que je pouvais porter à Pagnol, à Marcel Pagnol, elle remonte très loin. C'est-à-dire que j'ai connu Marcel Pagnol en 1942, quand il a fait son film La fille du Puisatier. J'étais fou de joie parce que c'est de la figuration. J'avais commencé à chanter depuis 1938. Puis il a été notre témoin à notre mariage avec Simone et Jacques Prévert et Paul Roux. Finalement, c'est ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence. J'ai quitté le midi Marseille pour monter à Paris, comme on dit, en 1944. Mais ça a été... Et c'est très curieux parce que c'est la même chose pour Daniel Auteuil, qui lui est d'Avignon. Et nous avons au contraire eu des réserves, nous, sur les accents du midi, parce que nous avons trouvé, et c'est un peu vrai, certains artistes, et parfois non des moindres, de Pagnol, avaient tendance à en rajouter dans l'accent. Mais ils avaient des excuses aussi. C'est que c'était vraiment l'époque où on parlait de la province, bon, le Midi, l'Alsace et la Bretagne, c'était là-bas au fin fond de la France, de l'Hexagone. Aujourd'hui, avec la télévision, tout ça est réduit, les accents n'ont plus cette même, au contraire, ça a un cachet très, très agréable. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand on a entendu les premiers accents canadiens, c'était pas acceptable. Puis aujourd'hui, au contraire, on trouve ça très très bien. Et comme les gens du Nord, entre guillemets, avaient ri aux accents du Midi, les comédiens de cette époque-là avaient tendance à en rajouter. Et nous, au contraire, nous sommes évertués. Nous, quand je dis nous, Daniel Auteuil et d'autres, je veux dire, et les gens qui sont là, qui sont des merveilleux comédiens aussi, nous avons au contraire mis les bases, comme on dit. Nous n'avons pas appuyé sur quelque chose qui pourrait être vraiment d'un grand comique. Tu vois, c'est pas la peine, c'est affreux. Vous dites comique, c'est suffisant, c'est pas la peine de dire comica. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Au contraire, vous avez qu'à vous laisser porter par la langue de Pagnol qui est suffisamment chantante. Et alors ça devient joli. Le fils de Médéric, on lui avait pardonné parce qu'il avait fait des écoles et qu'il était devenu douanier à Marseille. Mais quand on passe devant leur ferme en ruine, aujourd'hui on crache par terre. C'est ça que tu veux dire? Mais à quoi ça sert de réussir dans un pays étranger? Tu veux me le dire? Mais c'est une tirade très difficile à faire, très difficile. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de muets que tu es obligé de les sortir tous, les muets. Personne des Bastides n'a abandonné le village, sauf le fils de Médéric et les Testards. Médéric est bien ou pas? Ah, un petit savonnage. Ouais. Demain, je vais faire un tour du côté de Gémenos. Je me loue une ferme avec un champ et de l'eau. Là-bas, t'as de l'eau tant que t'en veux. Patrier? Ah, ben ça, alors. Laisse-moi t'expliquer. Mais tais-toi! Personne des Bastides n'a abandonné le village. C'est bien ça. Sauf le fils de Médéric et les Testards. Et encore le fils de Médéric que lui avait pardonné parce qu'il avait fait des écoles et qu'il était devenu douanier à Marseille. Mais quand on passe devant leur ferme en ruine aujourd'hui, on crache par terre. C'est ça que tu veux, dis? Mais à quoi ça sert de réussir dans un pays étranger? Tu veux me le dire? Hein? On peut passer aussi de l'une sur l'autre. Oui, non, mais tu peux prendre un Médéric. Il repasse par Régolas. C'est ça. Le dernier des souverains. On n'oublie jamais. Non, le dernier des souverains, il est mieux dans le quatrième, oui, bien sûr. Parce qu'il vient plus profond. Très bien, non, ça va. Si c'était simplement que tragique, je pense que, bon, c'est déjà, je ne dis pas que j'ai raison, mais les choses sont déjà tragiques comme ça dans notre vie quotidienne. Je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais je ne dis pas que j'aurais raison de le refuser, mais je ne sais pas si je l'aurais fait. Ça va beaucoup plus loin que ça avec Pagnol. C'est vraiment la tragédie grecque, mais je dirais, je veux dire quelque chose d'énorme peut-être, mais matinée de Chaplin et de Keaton. Je veux dire qu'à chaque moment, vous êtes pris à la gorge et vous riez malgré vous, parce que les répliques qui sont dites dans ce film, les phrases qui sont dites dans ce film, sont des phrases que seul Pagnol pouvait écrire, ou comme Mingway a pu écrire certaines choses, ou comme Tchekhov a pu écrire. Ce n'est pas uniquement que régional et pittoresque, méridional, ça ne m'intéressait pas, ça. C'est parce que c'est international, ce qui m'explique. Je veux dire, c'est universel, c'est pourquoi ça me plaît. Et dans chaque réplique dramatique, comme nous le savons très bien nous-mêmes dans nos propres vies, dans toute situation dramatique, il y a le contre-coup du comique. Quel genre d'homme c'est? C'est le genre d'un bossu de la ville. Beaucoup.
beaucoup de la ville? Un plein. Oh, quelle inattention. Je suis peut-être un innocent de la ville, mais attention. Tu sais, les voussus, c'est souvent plus malin que nous, hein. Et qu'est-ce qu'il veut planter? Il veut planter de l'authentique. De l'authentique partout. Qu'est-ce que c'est? Il faut être une plante qui pousse dans les livres. Il faut être moderne. Il m'a dit, il faut être moderne. Nous autres, les souverains, nous étions la plus grosse famille du pays. Pour la fête du grand-père... Vous étiez plus de 30 à table. Tous des souverains avec des marmites pleines d'or, cachées un peu partout dans la maison. On nous saluait de bien loin. Et c'est nous qui avons fait réparer le toit de l'église. Oui, ben si tout ça a pas duré, c'est pas de ma faute, c'est la faute du destin. C'est pas vrai, le destin ça n'existe pas. Ce sont ceux qui sont moins rien qui parlent du destin. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver la vérité. Et tant que cette vérité-là, si vous l'avez pas, ça m'intéresse pas, quoi. En tout cas, ma vérité. Le type à l'arrière était-il debout? A-t-il pu le frapper? Je ne peux pas l'affirmer. Ça s'est passé trop vite. Ensuite, il est tombé à genoux. C'était la confusion la plus totale. À genoux? Comment, sa tête n'a pas heurté la chaussée? Absolument pas. Il était à genoux, entouré par les manifestants qui arrivaient de partout. Et la police, elle, restait passive. Je crois que vous avez dit qu'il y avait 3-4 films que j'aimais bien. Qui était prévu? Et je m'aperçois que s'il y en a un à un, disons l'aveu qui m'intéresse beaucoup pour de multiples raisons. Même s'il peut y avoir une séquence ou deux où ça pourrait être mieux. Hein? Je ne parle pas de la séquence de l'amaigrissement, ça c'est la moindre des choses. C'est ce que j'appelle, si je puis dire, l'habillement externe. Ça, n'importe quel connard, il peut le faire. Je veux dire, s'il est intéressé par l'histoire, intéressé par ce problème-là qui était le problème de notre génération. Ce qui était beaucoup plus important, c'était réagir à certaines choses qui ne peuvent être faites, ces choses-là, et dites, parce que vous avez bien connu ça aussi. Mais voyez-vous, méfiez-vous encore ce que je dis là, parce que c'est vrai aussi que quelqu'un qui n'a pas connu ça peut inventer, ça peut être encore plus vrai que la vérité. C'est ça qui est fabuleux avec ce métier-là. C'est pourquoi il est tellement dangereux en même temps. Ça va à l'infini. Choisissez vraiment la couleur, la note qui est la vraie, juste c'est celle-là et pas une autre. C'est très difficile. Excitant aussi. Depuis longtemps membre de la gauche socialiste, il était un des fondateurs du Parti communiste dans sa ville. Boycotté par la bonne société et par la communauté juive, qu'il est considéré comme un traître parce qu'il était athée et militant d'organisations anti-religieuses, il trouvait difficilement du travail. Sa famille ne l'aidait pas non plus. Sauf l'oncle Zygmunt, qui ne manquait pas de lui faire la morale. J'ai eu mon père pour la dernière fois, l'été 35 à Moscou. Il avait beaucoup vieilli. Finalement, je m'aperçois que, entre le fait d'être plaisant, on en connaît plein de gens dans la vie qui ne sont pas des artistes, quoi, qui sont plaisants, on a envie de les rencontrer, on a envie d'être avec eux, jeunes ou vieux, peu importe. Entre ça, d'être plaisant, et ce besoin de la représentation, c'est deux choses tout à fait différentes. Et ce besoin de la représentation, alors que votre vous interne est tout à fait contre, par timidité, qui peut être beaucoup d'orgueil aussi, je vous l'accorde, mais qui est de la timidité parce que tu ne veux pas, hein, et où tu vas trembler, et que cette chose te pousse en avant quand même. C'est assez mystérieux quand même. Hein? Alors que ma vraie raison profonde, c'était à l'opposé de ça. Ma vraie raison profonde eût été de continuer probablement comme ils ont été mes ancêtres. C'est pourquoi le rôle arrive à un bon moment. Aurait été de rester, travailler la terre, être la terre, un truc comme ça. Mais maintenant, est-ce que c'est tout à fait vrai? Est-ce que je suis tout à fait honnête là? Est-ce que c'est plus la déformation de mon métier maintenant? Thank you.
pas ce que je veux dire, c'est ce que tu as fait, mais quand même, c'est beaucoup plus le glissement interne. Oh, bah, bien sûr. Quelque chose, une activité qui met au contraire sur la touche beaucoup plus qu'autre chose après. Pas du tout parce que je me sens vieux dans ma tête, pas ça du tout, non, au contraire. Mais comme ça. Allez aux autres de jouer, quoi. C'est bien, ça va. Et on a parlé d'une nouvelle tournée. Probablement, mais là je me tâte, c'est tellement dur. Là c'est vraiment, alors là c'est terrifiant. J'aurai à peu près 180 galas à faire, hein. C'est, ça prend presque un an. Hein. Si vous voulez faire bien, non, mais je veux dire pas un tous les jours. 4, 3 jours d'arrêt, 2, 1 jour d'arrêt, 6, 7, 3 jours d'arrêt. Ah non, si je fais par exemple, j'ai jamais été à Madrid, je veux dire, j'ai jamais été en Espagne chanter, j'avais envie d'aller à Rome aussi, à Milan, j'ai envie d'aller à Berlin, j'ai envie d'aller à Stockholm, Copenhague, à Londres, j'ai envie de faire des pays du tiers-monde, j'ai envie d'aller en Israël, j'ai envie d'aller au Caire, et puis après de faire l'Amérique profonde, de faire le Metropolitan Opera de New York, ça c'est bien. Mais je veux rentrer dans l'Amérique profonde, c'est-à-dire d'aller partout. De Chicago, Boston, Dallas, Houston, tous ces trucs-là, puisque San Francisco, on a fait avec... rentrer vraiment dans une lutte profonde, terminer la tournée et rester encore quelques temps aux États-Unis, prendre une voiture et se payer 3-4 mois de vie. Voilà, je vois jouer, je vais dans le Colorado, je vais à Memphis, je vais tout ça, tout ce qui a bercé mon enfance et mon adolescence, en fait, quoi. Voilà, trouver mon Amérique à moi et peut-être la... démystifier une certaine Amérique peut-être, pour toucher du doigt la vraie, celle qui vraiment existe et à qui on doit beaucoup. Ah, c'est bien, hein, c'est vous. Oui. Ah, très bien. Vous avez lavé, lavé, relavé, lavé, relavé, hein, voilà. Eh oui. T'es en vacances, oh? Non, il est ici. Oui, d'accord, oui, tu prends ma carte encore. Ah bon, bah, c'est bien ce que je te demande. Tiens. Allez. Voilà, mesdames, du conseil municipal, qu'on a invité. Bonjour, papé. Bonjour. Ce que j'ai admiré, dans Yves Montand, c'est leur simplicité. Je crois que ça, c'est le signe d'une grande classe. Il n'est pas fier, il blague avec tout le monde, il touche la main à tout le monde. Et il est très sympa, il est resté quand même sympa. Parce que je vois que chaque fois que quelqu'un lui demande une photo ou quoi que ce soit, il va à la petite, il l'embrasse, il se met avec elle, il se fait prendre la photo par un autre. Enfin, il est très très bien, quoi.